1830, un Bollé s'est installé ici, dans ces lieux mêmes, et a construit cet atelier. Il était fondeur ambulant, comme beaucoup de fondeurs à cette période-là. Donc nous poursuivons encore aujourd'hui la tradition de fonte de cloches comme nos ancêtres. Une cloche est conditionnée de par sa taille et de par son poids avec un son qu'on appelle une note. On va faire un plan de cette cloche, on va faire un tracé partiel. On va le reporter sur une planche qu'on appelle le trousseau, la trousse. Via des calculs qui au départ sont partis par empirisme, on va reproduire une courbe d'une certaine cote qui déterminera la sonorité de la cloche. Cette trousse va accompagner le moule, la fabrication du moule pendant toute la construction. Le moule est composé de trois parties principales. La forme intérieure, ce qu'on appelle le noyau. Donc ce noyau est conditionné par ce trait-ci. Après, on va redécouper la planche et là, on a vraiment la dimension réelle de la cloche en coupe. Et on voit vraiment ce qu'on appelle le profil. Une fois cette fausse cloche réalisée, on obtient donc une maquette en terre de la future cloche. Sur cette maquette, on va appliquer les décors, les frises, les inscriptions qu'on aura découpées dans l'atelier de cire. En l'occurrence, pour Pfullendorf, c'est un décor assez contemporain, très sobre, avec quelques messages religieux et le nom de la paroisse. Une fois cette étape terminée, on redécoupe une tranche suivante du bois. Et là, sur le décor qu'on vient de poser, on va encore appliquer des couches de terre très fines d'abord pour qu'elles épousent bien les inscriptions. Et ces inscriptions vont être noyées dans la terre jusqu'à obtenir une grosse carapace qu'on appelle la chape. Une fois que la cloche sera coulée, c'est ce qui est imprimé en négatif dans cette chape qu'on verra les décors. Une fois la chape ajustée sur le noyau avec l'espace nécessaire pour recevoir le bronze, on va poser le moule de la couronne des anses. On va donc étancher tout ça et c'est ce qui permettra à la couronne d'être fixée en un seul morceau sur la cloche. L'étape suivante, c'est de sécher tout ça, c'est de sécher les terres, etc. Une fois l'étape terminée, pareil, on réempile la chape, on détruit la fausse cloche, on la retire. Et grâce à ces petites encoches ici, la chape va garder son espace entre le noyau, partie intérieure de la cloche, et la chape, partie extérieure. Le moule est transporté dans la fosse, on va remblayer la fosse et surtout on va bien la pilonner, c'est-à-dire on va bien serrer la terre pour éviter toute déformation de par nécessité pour endiguer la pression, mais ça a une autre qualité, c'est que la terre est très isolante et que le temps de refroidissement, de solidification est très lent. Donc le grain du métal va être très très fin et souvent est plus sonore et plus résistant qu'une cloche qui serait refroidie en quelques heures. Thank you.
Le bronze de cloche est composé d'un alliage de 78% de cuivre et 22% d'étain. Donc l'idée, c'est on va porter ce métal en fusion dans un four et on va se servir d'une rigole pour le diriger vers les moules qui sont enterrés. Pas du tout dans le contexte d'une usine où un châssis avec un moule en sable ou en terre ou quel qu'il soit arrive et on y verse du métal, un autre aura préparé le moule et un autre va le démouler, etc. Ici, on dispose aussi d'un four réverbère qui date de l'époque de la construction de l'atelier, donc autour de 1840. Ce four réverbère a pour principe de chauffer une voûte qui, elle, en rayonnant, va chauffer le bain de métal qui est disposé juste en dessous. Une fois que le métal est à température, brassé, l'étain est rajouté, on va se préparer à la couler. La cloche solidifiée, donc on va commencer à la dégager, on va la démouler, elle sera peut-être encore entre 50 et 100 degrés, mais c'est des températures auxquelles il ne se passe plus rien sur le plan chimique, et là on va redéterrer, donc le fondeur c'est aussi un terrassier, et là il va recreuser, il va revider tout ce qu'il avait mis comme terre et pilonné autour, et à un moment donné il va ouvrir la pièce qu'il a coulée, et là on va découvrir le résultat. Il y a trois stress, il y a le moment de la coulée, il y a le moment du démoulage et il y a le moment du premier coup de battant, quoi, où là, ben, c'est 3 mois de travail qui se révèlent.